sorte d'ici. Que je t'aide à t'enfuir. Que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés. Que c'était mon travail. Que c'était mon travail. Ouais, je comprends pas comment tuer des gens par des poches plastiques. Des solutions aisées, ce qu'ils ont fait ces années. Des massacres entiers, comme des peuples entiers. Comme les Mayas, comme les Incas. Et le reste, ils ont voulu coloniser la terre entière au nom de Jésus-Christ. De toute façon, Jésus-Christ a fini cru sur la croix. Ton père était bon charpentier. Faut être bon charpentier pour construire des croix de damnés. Mais sans déconner, faut être bon charpentier pour construire des croix de damnés. Il a péri de l'ange d'un dé, monsieur le petit curé, vous le savez aussi bien que moi. Il y en a certains qu'on se rend devant le bon Dieu. On verra ce qu'il dira. Je pense qu'ils iront tous en enfer autant qu'ils sont. Sans déconner parce qu'ils voulaient partir au Canada. A effacer là son vœu plus cher qu'il n'a pas pu exaucer. En quelques années, je donne même pas 20 ans à l'humanité à ce rythme-là. Même pas 20 ans d'humanité, l'apocalypse est né. Le jour où l'homme a perdu son unité, faire comprendre cette chance qui a été donnée de manifester pour la paix. Une cause à effet, l'effet papier bien vrai. À la fin, j'aurai ni Dieu, ni maître, mon étendard, ma liberté de penser. Le CPC pour le combat qu'ils ont mené, notre combat est dans les cieux. Le CPC c'est la fondation des lumières qui nous guide toujours de l'année. On a toujours besoin de fondation pour réussir et s'épanouir. Même temps ils ont gâché, ils ont détruit 10 ans de ma vie, bouffé par la psychiatrie et le reste. Jésus vous a baisé pendant 2000 ans de conneries. Ouais, 2000 ans de conneries. Tout ça parlant de templiers, des pourritures qu'il fallait tous exécuter. Et on serait bien mieux, l'humanité se porterait bien mieux. On parle beaucoup de l'ordre des Illuminati, on parle mais très peu de l'ordre des templiers. Dirige des murs de leur foi et le reste, leur connerie même dépasse tout le niveau, tout l'entendement des choses. Je dis des choses qui te vexent, mais la triste réalité, c'est qu'ils ont fait de pauvreté, ils pourrirent le monde entier. Viols et gosses sont tout imputés, alors ils ont fait une chasteté. Sans dégoûte, sans dégoûte, je sais qu'il y a des besoins humains, mais jusqu'à violer des gamins. Je comprends pas comment on peut faire ça à des humains, sans déconner. Je pense que l'humanité a perdu toute son humanité il y a bien longtemps. Au nom d'un Christ, au nom d'une croix de damné. Dans ton style, vivre comme dessus. Dis à quelqu'un de ta famille qui est bon charpentier, bon ébéniste. Et le garde de sauf et le reste. Il coule, il lance, il coule avec des têtes. Une lance qui dépasse les mannequins. Et tu restes dans les annales et dans les livres d'histoire. Et dans les livres d'histoire. Quand le jour du jugement dernier va arriver, quand le truc va nous tomber sur la gueule, c'est que Fabien ne voudra plus rien savoir. Monsieur Fallard voudra plus rien savoir. Il aura peut-être de quoi que le laine nous tombe sur la tête avec tout ce qui s'est passé avec Fallard. Mais sans déconner, nous avons tout fait pour nous faire péter un câble. Entre tous, je comprendrai pas pourquoi ces gens font tout ça au nom d'un Christ qui dit qu'il ne reviendra jamais à la vie. Parce qu'il a fini la cage thérapeutique posée par un dé, par un dé, par Monsieur Fadé, par Monsieur Fadé. Et Monsieur Fadé ne reviendra plus jamais sur cette planète. Ça j'en fais la promesse. J'en fais la promesse de mon beau-père Kala ou Kadé. Ça dépend comment tu veux le traduire. Sans déconner, parce qu'il voulait partir au Canada. Aïe Fadé là, je vous promets, depuis d'ailleurs mon truc.